Bonjour à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans les chaînes du Destin épisode 24. Rebonjour pour Twitch, nous sommes à fond. Il s'en sort plutôt bien honnêtement pour l'instant. Mais avant, comme d'habitude, un grand merci à nos Patreons. Grâce à vous qu'on est là, que j'ai ce micro au-dessus de ma tête qui fait que vous m'entendez si bien faire la voix de Grimgore. Crabouillé ! Je vais avoir du mal à finir avec cette voix. Nous faisons du Warhammer dans 4ème édition. Dans l'univers de Warhammer, nous sommes perdus à Karak-Ungor pour l'instant. Et vous avez des votes. Vous pouvez influencer l'histoire plus ou moins de nos héros. Ça se passe plutôt gentiment pour l'instant. Ils ont été gentils. Puis après, ils ont dit ça se passe trop bien. Donc ils vont rajouter la difficulté. C'est au choix du live. Moi, je ne suis là que pour narrer une histoire. S'il meurt, il meurt. C'est un détail. Quoi d'autre? Toujours la même chose. Nous avons deux sponsors, j'ai envie de dire. Donc si vous tapez Dindy Arsenal ou Craft sur Table, vous pouvez avoir un rabais de 10% avec les mots de passe Crocodile et puis 4D 2023. Voilà, pour Craft sur Table. C'est toujours sympa d'avoir un rabais de 10%, surtout quand on fait du JDR et qu'on s'équipe. Nous, on s'est équipé, évidemment. Et puis, je vous reprends directement dans le vif du sujet. Hein, on est reparti. Sur balcon. Sur balcon. C'est parti. Gordouze vous avez rejoint avec ses grosses dents pointues. Hobgoblin un petit peu particulier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on récupère notre équipement. Tu sais où il est? Ouais. Tu sais dans quelle bâtisse c'est? Ouais, évidemment. Alors allons-y, on coule le chemin. Ouais. On te suit. Ouais? Et pas dans ton loot, hein? Non. Moi, je veux survivre. Ok, ça marche. Évidemment. Vous avancez avec Gordouze. Il va vous mener par des chemins que vous ne connaissez pas, par des ruines que vous ne connaissez pas. Il va creuser un trou auquel vous vous y attendez pas du tout et dégager des petits chemins qui vous permettent de passer incognito. Faut savoir que la rébellion est en train de se faire gentiment mater. Elle est en train de se faire péter sa gueule, mais genre bien comme il faut. Ça, c'est en train de se calmer très vite. Le bruit que vous entendez en bas, des hurlements, des cris. Bizarrement, ils ne reviennent pas, eux. Non. Ce serait bien, hein. C'est pas mal, hein. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre et certaine. Vous allez arriver dans ce qui semble être un repère de ville. Il y a des fruits en abondance, de l'or, des objets et surtout une salle au trésor où est très certainement contenu tout le magot. Bah ouais, évidemment. Et du coup, je propose qu'on fasse le 4ème vote. Attention, Régis, pas le 3ème, le 4ème vote du live. Voilà. Vous êtes arrivé à cet endroit sans encombre. Par contre, au vu des appartements, vous êtes dans la maison du sorcier. Du sorcier? Ouais, celui qui balançait des sorts tout à l'heure. Vous avez vu des sortes de boules de feu en magma, enfin, des boules de magma en fusion qui bouaient un petit peu. S'élever et partir et s'écraser dans la ville et faire des sortes de projections un peu partout. Vous avez vu plus d'un orc et gobelin et nain, voire quelques humains, se faire cramer par ce sort de sort. On le voit, le sorcier? Non, il n'est pas là. Vous êtes dans ses appartements. Mais là, tu peux voir s'il n'a pas mis un sort de protection ou un truc comme ça? Je peux regarder les ventes, mais... Tu peux regarder la porte? Ouais. Tu regardes la porte? Elle est magique. Il a protégé son truc, ouais. Le filou. Bon, comment on fait alors? Est-ce qu'il a protégé le mur autour? Non. Bon, après, c'est un bon mur, non? Mais non. C'est de la pierre, quand même, non? Oui. Mais Grundouze, il a... Gordouze. Il a creusé des trucs, nous, avant. Et bon, regarde, t'es gentil. Moi, j'ai creusé dans des décombres, hein. Moi, j'ai une pioche, mais faut pas abuser non plus. Hein. Donc, il y a une porte magique qui nous bloque entre nous et la salle où on est maintenant. Il y a rien. Dans la salle où vous êtes, il y a énormément de nourriture. Ça peut être sympa de récupérer un petit peu. Ouais, j'ai envie de manger, c'est vrai que... Ok. Vous commencez à vous taper un petit rushti devant cette porte en vous demandant comment on va la passer. C'est quoi le sort sur la porte exactement? Qu'est-ce que tu reprends? Fais-moi un jet de perception, je te donnerai peut-être des informations. C'est quand même assez important, ça. C'est un peu foiré, c'est raté. C'est raté. Fais-moi un jet d'intelligence. Bah! T'es devenu un peu conne. Plus 1, ok. Yes. Tu regardes, alors,
Tu essaies de lire un peu les vents de magie et ce que les runes font avec. T'y arrives pas trop. Par contre, t'arrives à décrypter un peu ce que la rune voudrait dire. T'as un peu la même capacité que Kruger, étonnamment, c'est cette capacité de comprendre un peu le langage noir. Tu sais pas pourquoi, mais tu l'as un petit peu. Tu vas t'intéresser à ces runes. Tu lis des trucs sur du sang. Est-ce que ça, ce serait genre les flammes? T'es pas trop sûr. Le taureau, peut-être. Ouais. Payer le prix. J'arrive vers Wayla, du coup, qui est devant la porte, puis je dis, puis je pose ma main, du coup, sur son épaule pour faire attention. Je dis, bon, qu'est-ce que tu lis, du coup, faut qu'on fasse quelque chose. J'arrive pas à bien comprendre, mais là, de ce que je vois, faudrait essayer que tu défonces la porte, que tu saignes et qu'on t'enflamme. Donc, je suis pas sûr de mon coup, mais. Tu veux qu'on fasse ça avec toi ? On défonce la porte, mais elle est magique, on peut pas défoncer une porte. Bah, justement, c'est pour ça, mais je crois qu'il faut payer un prix. Mais. En sang ? Payer un prix en sang. Est-ce qu'il y a un taureau dans le coin ? Raguide, fais-moi un jet de perception moyen. On va peut-être pouvoir bypasser l'énigme de la porte à cause de toi. Ça passe à plus 1. Plus 1. Ah. Ça brûle de nouveau dans ta main. Tu sais, tu t'es cramé la main. Mm-hmm. Tu peux mettre la main contre la porte. Ah, ça fait mal de chien. Ça commence à saigner. Et putain, ça s'embrase. La porte s'embrase, elle s'ouvre. Oh. Okay. La porte de ton sang, en fait, de ta douleur, du prix que tu as payé. Donc maintenant, t'as la main au sang. Ouais. Il faut absolument que tu soignes ça, parce que ouais. Sinon, tu vas être mal. Ouais. Je fonce dans la salle. Tu fonces dans la salle. Ah, vas-y. D'abord, on le soigne. Pardon, oui. On soigne ou on se buff avant d'aller combattre un sorcier, peut-être. La salle est vide. Quoi ? La salle est vide. J'arrive comme ça en mode... Ah, bah... Ok, bah, donc c'est bon. Je vais vers Raguide et je la soigne. Ouais, là, pourquoi on voit rien ? De toute façon, s'il y avait quelqu'un... On voit rien, mais il y a rien. Oh, ça serait trop tard pour se buff. Ouais, c'est pas faux. On voit rien parce qu'il y a personne ou il n'y a rien parce que tu vois pas de lumière. Vous. Ouais. Non, il y a beaucoup de lumière. Moi, je veux dire rien dans le sens, il n'y a personne. J'ai dû dire, on voit rien, d'accord. Je suis désolé. D'accord, oui. Mais il y a des trucs dans la salle. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Ah, déjà, okay. La chose la plus importante, le fond de la salle n'est pas fermé. Ok. Ensuite, sur les bords, il y a de nombreuses statues de nains en pierre. Mm-hmm. Des nains du chaos, pour être précis. Mm-hmm. Troisième chose, il y a en effet, à gauche et à droite, d'énormes coffres. Dernière chose, le trou là dans le mur, ça vous interpelle. Ouh, sympa, merci le live. Vous allez regarder, c'est quoi cette cascade de lave ? Vous penchez un petit peu, hors de ce... Ça redonne un petit peu un effet balcon, si vous voulez. Et vous voyez une sorte, ce qui ressemblerait à une énorme mâchoire en métal noir qui dégueule cette lave. Bamo, le truc qui fait la taille d'un immeuble. C'est quoi ce machin ? Fastoche, une bonne dizaine de mètres, quoi. Les forges de Karakongor ? Non. Dragon ? Ça a l'air... ça a la taille d'une sorte de dragon, mais c'est du métal. Du métal, hein. Et soudainement, il bouge. L'énorme tête commence à... Vous entendez... à descendre, en fait, un peu vers vous. Vous allez voir un énorme œil enflammé. Vous regardez. Vous voyez la tête d'une sorte d'immense bête de métal, en fait. Faite de toutes ces plaques de tôle que vous avez travaillées depuis si longtemps. Et surtout, toi, Raguide, tu le sens. Elle est alimentée par... Le sang d'Achout que tu as si gaiement ramené. Tu vois l'énormité soudainement avancer une patte dont, dedans, vous voyez une énorme flèche. Un peu l'énorme... Vous savez le truc que vous avez vu dans les... Voilà. Qui la pose dans le sol et qui la sort. Pouf, ça fait une sorte d'onde de choc
partout autour, vous voyez des corps volés en bas. Et très gentiment, mais sûrement, elle avance. Qu'est-ce que vous faites? C'est la panique totale. Vous êtes face à un démon d'acier. Juste pour être clair, lui... Il bave de la lave. Oui, lui sort dans la salle. Lui sort. En fait, il est hors de la salle. Il est hors de la salle, vous pouviez voir la construction de cette pièce qui était cachée en fait dans un mur de Karakungor. Voilà. Ça fait des semaines qu'il bosse dessus. Et il le libère maintenant. Et ils sont en train de la. En fait, ils l'ont activé. Ouais, c'est ça. Mais du coup, globalement. Il nous a vu en voyant le. Ah, il vous a vu, ouais, mais il a plutôt l'air d'être en train d'avancer tout droit. C'est ça. Globalement, il s'avance tout droit. Je pense qu'il va casser à peu près tout ce qu'il croise. C'est ça. Donc, globalement, nous, on pique ce qu'il faut dans la pièce et on part. Attends. Est-ce que c'est gardé encore magie? Ouais. Justement, je voudrais regarder s'il y a de la magie. Parce que là, on peut rien faire avec ce machin. Tu regardes les. Ouais. Ah, il y a une trace de magie. Trace de magie. Je pense qu'ils sont un peu là pour garder le butin. Tu peux prendre le gobelin et le jeter sur une statue. Tu vas garder juste. Ah non, tu le jettes dessus. Il se prend la statue s'éclate, elle se casse au sol. Bon. Oh putain, c'est un sacrilège ce que je viens de faire. Bon, du coup, moi ce que je fais, c'est que. Tu sais qui c'est ça? Est-ce qu'on ouvre les coffres? Avec la pioche, je pète un coffre. Je le prends, je joue avec l'arme. Tu pètes un coffre. Tu prends, tu le mets en marque. Ok, je vous dis tout. Non mais là vous êtes dans un des sanctuaires nains, les gars. Vous regardez un peu plus, les magots sont en fait entassés sur des tombes naines. Mais ça se voit pas vraiment, ça a été pillé, un peu détruit, etc. Ah non, c'est bon, on n'est pas les premiers profanateurs. Du coup. Non, ça a été profané. Vous êtes dans un des trucs très récemment les plus sains pour les nains. Ouais. Les statues, t'as dit que c'était les nains du chaos. C'est des nains du chaos. Ouais. Donc ça a été remplacé il y a peu. Il y a des nains du chaos qui ont été mis ici. C'est ça. Mais du coup, je pète le coffre. Tu pètes le coffre. Je fais un jet pour ça ou... Non. La statue par terre, elle est en morceaux. Ouais. C'est bien ça. On les pète toutes. On les pète tout, okay. On pète d'abord. Comment ça les pète? Oh putain, vous êtes tarés! Ils vont vous tuer! Si vous attrapez. Des statues tu commences à les éclater, il y a la tête des. Vas-y, défoule-toi! Tu vois un petit brin de magie qui sort de la dernière que t'as tuée. Et vraiment la toute dernière, tu prends ton temps, tu vises et tu vas dans le crâne et t'entends un scrotch. Tu sors ta pioche, elle est ensanglantée. Tu frappes! Et en fait, tu te rends compte que le nain, qui était en pierre sur la surface, mais l'intérieur n'était pas encore tout à fait de la pierre. Oh. C'était tous des vrais nains du chaos. Ouais. Excellent. Ouais. Pas mal, ça. Okay. Qu'est-ce qu'on trouve alors? On va fouiller plutôt dans les coffres. Tu fouilles. Alors, tu trouves de l'armement, hein, un petit peu de tout, des épées naines, enfin, rien de runique, tu vois, mais pas mal de trucs qui pourraient avoir de la valeur ou pourraient être utilisés ou être fondus, etc. Vous retrouvez votre équipement. Yes. Intégralement sans votre thune. Ah bah oui. Mais du coup, il y a de l'or partout. J'ai pas dit qu'il y avait de l'or partout. Ouais. J'ai dit qu'il y avait des trésors. Oui, des trésors. Est-ce qu'on trouve le qui coupe à Grung? Ok, tu cherches le qui coupe. Voilà. Alors, tu trouves ta lame, ta hache runique. Yes! Très bien. Et. Il ressemble à quoi selon toi? Grosse hache. Une grosse hache. Le truc le plus rustique et rudimentaire possible, mais qui coupe. Le plus grand truc qui coupe. Ouais. Tu cherches, il y a des magnifiques haches naines. Il y a des morceaux de tôle qui ressemblent vaguement à une hache. tu le prends, mais il a pas l'air de couper grand chose ce truc, hein. C'est pas un bon qui coupe. C'est pas un bon qui coupe, ça. Bah, on en prend plusieurs, et puis comme ça, il a le choix. Je sais pas. Mais il y en a forcément une qui est évidente, non? Ouais, ok. J'essaie de me concentrer, genre, intuition, c'est laquelle la sienne? Je peux faire un jet d'intuition? Fais-moi déjà une intuition. Alors, si c'est pas là, ça doit être caché à l'intérieur. On a fouillé tous les coffres. Ça pourrait pas être mis dans une tombe en dessous. J'observe les vents. Tu observes bien. Ils sont tous canalisés, happés par cette énorme créature. Ok, il n'y a rien qui m'interpelle dans la pièce, quoi. Si, un petit cheveu blanc sur le cadavre du nain, atomisé par Ragged. Je prends le cheveu. Tu prends le cheveu. Voilà, oui, il est chopé, rien du tout. J'ai rien chopé. Toi, t'as un cheveu blanc. Ok, moi j'ai un cheveu blanc.
J'ai une besace vide. Ok, tu la mets dans la besace vide. On est en train de vous demander si elle est pas en train de passer barge. Hein, elle... T'as dit ce qu'il regarde. Maman, tu fais quoi? Je vais regarder pour l'ouverture si je vois des mouvements ou bien ce qui se passe à l'extérieur. Tu regardes à l'extérieur. Écoute, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il n'y a personne de ce que tu vois. Si je commence à évaluer un petit peu les armes, voir qu'est-ce qui peut nous être utile un petit peu plus que. Enfin, surtout pour équiper déjà les gens qui n'ont pas plus. Qui a genre un arc long. Voir qu'est-ce qui peut être utile. Plus utile que... Y a un arc long. Ouais. Tiens, je te le donne. Depuis le temps que tu cherches un putain d'arc long. C'est vrai, ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des sorts du chaos que je pourrais apprendre? Non. Il y aurait quelqu'un qui pourrait t'apprendre, mais t'entends un petit peu, genre... Triste. Le dernier vient de mourir. Voilà. Qu'est-ce qui fait Ground 12? Gordouze, tu veux y arriver un moment. Oh, t'insultes pas mon nom là. Te regarde, il trouve des couteaux. Ouais, bien, bien piquantes. Il se blesse un peu avec. Exactement comme il fait. Chouette. Je l'observe, je le garde à l'œil. Ok. Et puis, toi, tu continues à ouvrir le coffre. Hein. Ouais, c'est bon, je continue à fouiller tous les trucs. T'arrives au dernier coffre. Oh, une lumière verdâtre. Oh, tu l'as acheté en arme. C'est tellement beau. Ouais. Ah, vous commencez tous à être un peu... Moi aussi. Ouais, ouais, toi aussi. Ouais. Tout le monde, hein. Je regardais pas là, en fait. Tu regardais, ok. Moi, je regardais pas là non plus. La lueur est si forte. Ah, okay. Je m'approche du Gus, qui est, enfin, de la statue qui est en train de s'animer. Ouais. Et j'ai fait la tête dessus. Ah, sympa. Ok, je t'y reprends, mais avant, je vais faire la scène avec les mecs. Tu prends la malpierre dans la main? Ouais. Bah, okay. Attends, est-ce qu'il a le temps? Il a le temps. C'est lui qui l'a ouvert. Bah, pour l'instant, vous êtes tranquillou. J'étais devant. Voilà, il y a un énorme démon d'acier qui pourrait mettre un coup dans la pièce et tous vous tuer d'un coup, mais vous êtes tranquillou. Pire. Et du coup, je l'ai pris. Tu ramasses la pierre et t'entends. Ta gorge commence à pisser le sang. Ta gardouze avec un énorme sourire à moi. Je vraiment, il arrive, là, il t'égorge, mais instantanément, pour retourner un peu en mode, mais c'est quoi ce... Qui c'est qui le gardé à l'œil? Je l'allume, vu que le... Vas-y, fais-moi un jet de tir. Te rate pas, hein, parce que... Ouais, s'il te plaît. Gardouze, il n'était pas là quand vous avez ressuscité. Plus 4. Plus 4, ok. Et boum, il se prend le tir, il s'effondre au sol... plus 4, ça fait donc ouais, pas mal de dégâts. Ça fait... Bon, j'ai pas les... pour l'arc long, mais... C'est... Ouais, bah c'est... Ah, tu tires à l'arc long. Moi, je croyais que c'était avec l'arquebuse que t'avais ramassé. Ah, ouais. Qui traînait. Mais bon, t'avais pas les balles pour, donc... Ouais, donc... Ok. L'arc long. Bah, checkons ça vite fait. Ça peut être bien que t'aies les stats de ton arme, quand même. Arc long... C'est bon. Plus 4. Et ça, la qualité damaging. Damaging qui fait... Je me dis, je peux peut-être se soigner. Tu peux utiliser. T'as le temps, peut-être en deux secondes. Ton dé unité, qui fait entre 1 et 10, tu peux l'utiliser à la place de ton success rate comme dégâts. Donc si tu fais 59, t'avais 60, donc tu fais que plus 0 de réussite, tu peux décider de faire 9 dégâts. Ok ? Donc ça remplace ton succès, ton niveau de succès en fait. De faire jusqu'à 9 dégâts en fonction du jet. C'est ça. Donc là, par exemple, t'as fait plus combien? Là, j'ai fait plus 4. Et le chiffre, c'était combien? 7. Donc tu pourrais faire plus 7, en fait. Ok, donc ça fait 14. Ok, tu mets 14. Tu prends là. Alors, regarde, il explose pas dans tous les sens, mais il se prend une flèche au bide, il roule sur le sol, il y a une trace de sang, tu vois qu'il court, et il se jette dans le bide. Avec la pierre? Bah non. Non, il a lâché la pierre. Avec ce qu'il s'est pris, non, il a pas eu le temps d'achoper. Il a égorgé l'autre, c'est tout ce qu'il a eu le temps de faire. La pierre est proche. Du coup, il est mort. Qui est le plus proche? Du coup, il est en train d'agoniser sur le sol. Je lui dis un mot comme ça. Je cours vers lui. Tu cours, fais-moi un jet. Je suis plus devant, je cours sur la pierre. Non, je prends la pierre. Non, moi, mais tu fais ce que tu veux, moi, je cours sur lui. Oui, c'est gentil, ça. Fais-moi un jet de force mentale. Force mentale. Vite, c'est important. Soigne-le. Hein? Soigne-le. Inverse pas, Raté? Non, c'est un -0, mais... Tu cours sur la pierre pour que tu te tombes pas les couilles. Mais oui, évidemment que tu cours sur la pierre. Elle t'attire comme un papillon de nuit. Hein. Il est en train d'agoniser sur... Tu tombes pas les couilles, il a qu'à revenir.
T'attrapes un morceau de caillasse de Malpierre, mais genre un bon gros morceau, quoi. Ah, t'es trop petit. Je peux essayer de résister à l'appel de la pierre. T'es pas d'accord? Je veux résister à cette pierre, je vais aller le sauver. Oui, je sais, tu t'es raté chance. Lamentablement. C'est sympa de chance. C'était ça, le jet de force mentale. Ah, ok. okay. D'accord. Bon, bah, évidemment que tu voulais résister. Voilà. Ce qui fait que j'ai mis toute mon énergie dans « je veux sauver », sauf qu'en fait, c'était la pierre. C'est ça. Peut-être t'étais là en mode « oui, je l'ai ». Merde, c'était la pierre. Peut-être tu réalises quand t'as la pierre dans les mains. Ça te sort un petit peu. Ok. Bah, vous la tenez à deux avec Tommy. Moi, je peux essayer de résister à l'appel de la pierre pour aller le soigner? Non. 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 Parce que t'es en train de tirer et tu viens de faire l'action. Donc pour le sauver, c'est un peu chaud. Je vais avoir la présence d'esprit de ne pas le prendre à main nue parce que, de manière innée, je sais qu'il faut pas le prendre à main nue. Bah lui, il tient à main nue. Hein. C'est aucun problème. Bah les couilles pour lui. Moi, c'est juste moi, je le veux le prendre avec un tissu. Ok, tu mets un tissu dessus. Tu tires un peu dessus. Mais moi, je le tiens. Bah vous le tenez. Démerdez-vous. Je frappe. Ok, tu m'as attaqué. À la tête. D'accord. On est en train de se... Mais il y a un truc qui me demande. Mais laisse-moi le soigner. Et donc je tape. Laisse-moi le soigner. Regarde, pour ça je te donne un point de chance. C'est une magnifique scène. Laisse-moi le soigner. Il met un pas au mec qui tient le Non. Le délire J'expire. Tu expires de tes péchés, tu es mort. Voilà, je suis mort. Mais pour l'instant, tu mets un taquet à Tommy. Ok, tu veux que j'essaye. J'ai même pas besoin Tommy, de me défendre. Fais-moi un jet de combat aussi. C'est celui qui se rate le plus. Il y a des gens qui sont hypés par Kruger, qui sont en train de dire nous faire un de ces spectacles. Il me fait plaisir. Alors, plus 0. Moins 2. Oh, tu te prends un taquet, Tommy, tu tombes au sol. Oh, t'as du sang dans la bouche. T'as oublié qu'il fallait pas te battre. Tu gardes la pierre. T'en fais ce que tu veux. Tu peux l'offrir à Mal si tu veux. Bah ouais. Je veux faire en sorte de le soigner avec la pierre ou le ressusciter ou je sais pas. Je peux faire quelque chose comme ça. Tommy. T'as pas besoin, tu peux tirer sur une chaîne. Ouais. Il est pas beaucoup mort. Oui, mais hein. Si tu donnes à Malal, il est gentil, il nous donne des destins peut-être. En vrai, il l'a déjà fait. Ouais, t'as assez de destin, toi. Ouais, mais il le donne à tout le monde. Ouais, justement, t'as vu la taille du caillou. Avec un caillou là comme ça, tu fais une offrande, c'est bon. C'est un dieu généreux. Ouais. Peut-être en faisant c'est ça. En faisant l'offrande, il peut amener la hache à. La qui coupe. C'est encore autre chose. Le qui coupe. Bon, la qui coupe, ça marcherait bien pour Narc aussi. Non, je suis à 3. T'as encore 3 points de destin. Oui. Il y en a encore 4, oui, là. Alors c'est bon, tu crèves. Non, mais faut pas déconner. Bah oui, faut pas déconner. Ok. Ok, donc je me rends compte qu'en fait c'est la pierre et que c'est pas Erfried. Ouais, ouais, quand même. Hein. Je vois Erfried qui. Est mort. Qui est mort. Ok. Erfried a-t-il vu que tu ne l'as pas soigné? Je tire sur les chaînes. Tu tires sur les chaînes, ok. Tu reviens dans. La question c'est justement, est-ce que j'ai vu qu'il m'a pas soigné du coup? Non. T'es mort. T'étais concentré sur ton sang qui se répandait sur le sol, les gars. D'accord. T'as vu noir dans les 5 secondes qui ont suivi. Très bien. Bah, je me relève en mode, qu'est-ce qui s'est passé, putain ? Ça. Le gobelin. La bâtisse tremble. Attends, moi, je suis pas fini. Oui. J'étais encore là ? Oui, oui. La taxe de mort. Ah oui, la taxe de mort. Vas-y. Donc, lance ton sort. Désolé, je reprends sur ce qu'elle faisait, c'est très sympa. Démonte pas encore la maison. Alors... J'ai fait bien. Ok, du coup j'ai fait une taxe de mort. C'est parti. Ok. Tu ramènes, tu vois en fait la statue se reformer. Puis ensuite tu vois graduellement en fait la moitié du corps du mec qui se. C'est en esprit, hein, qui se déstatuise. Donc la partie supérieure est encore vivante en fait. Et il est en esprit en agonie. Kajiang Aran. Tu comprends un peu ce qu'il est en train d'essayer de te baragouiner. Hein. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Alors c'est bien de le relever, mais maintenant faut savoir quoi dire. Tu es le dernier des tiens, tu es en train de mourir. Si tu veux pas que tout votre savoir se perde, apprends-moi quelque chose. Tu as 30 secondes. Il te regarde, il te pointe. Shannon Elan. En fait, c'est lui qui a créé le démon d'acier. Okay. C'est genre sa création, ils sont sacrifiés en fait à 6 pour le construire. Et ensuite, il va te glisser 3 phrases. La première, ce sera « Ta magie te perdra ».
Parce que lui, ça le transforme en pierre, en fait, l'utilisation. Mm-hmm. Est-ce que c'est une mauvaise réaction parce que les nains supportent pas la magie, donc les nains du chaos ne supportent pas, ou c'est, est-ce que c'est le démon à shoot qui vénère qui donne ça, tu sais pas. La deuxième, c'est libère-moi de mon tourment. Bah, il va bientôt mourir. Bah ouais, mais pour l'instant, lui, il sait pas qu'il va bientôt mourir. T'es en train de le faire agoniser, en fait. Mmh. Gentiment, ça remonte, il est en train de devenir pierre. Et dans la troisième, il fait « D'accord, je peux t'apprendre un sortilège d'Ashout. » Nice. Comment? Je me demande ce que mon dieu va dire par rapport à ça, mais on verra. Du coup, si tu me l'apprends, je te libère. Il va te balancer une dizaine de mots sur lesquels tu devras réfléchir et voir avec l'autre en toi pour les comprendre. Mais ça a l'air d'être une sorte de savoir runique et de parole à prononcer. Okay. Grosso modo, il est en train de te parler d'armure ardente. Ok, ça marche. Sort qui embrase l'armure de ton adversaire. Ok. Et voilà. Du coup, je sors ma dague et puis je l'enfonce dans ce qui reste, qui n'est pas encore de pierre. Mais c'est un esprit. Revois en fait ce qui est en train de lui arriver, c'est les 30 dernières secondes de sa vie. Ok, donc il n'a pas remarqué que c'est un esprit. Il n'a pas remarqué. Ok, bon, c'est bon. Il est juste en train d'agoniser. C'est pas parce qu'il n'est pas un esprit qu'il ne peut pas subir. Ouais. Voilà. Du coup, j'ai abrégé sa souffrance. Non. Oui. Oh, j'aurais dû le laisser crever. Oui. Voilà, donc on reprend. Le truc tremble. Vous avez la malpierre. Vous vous plaignez. Bah, on bouge. Gordouze a volé au-dessus du balcon. Oui, mais ça, on redescend alors. Qu'est-ce que tu fais avec ta malpierre? J'ouvre mon bouquin. T'ouvres ton bouquin. Aide-nous. Donc t'as retrouvé le bouquin de... Non, le bouquin, tu l'as toujours eu. Tu ne peux pas le perdre. Voilà. Personne d'autre le voit que toi. C'est ça. Mais du coup, est-ce qu'elle a retrouvé son bouquin dans le... Oui, le bouquin de nécromancie faisait partie des tomes. J'ai même retrouvé ma potion. Mais du coup, il la met dans le... Tu la mets dans le... Malal ne te parlait plus jusqu'à cet instant. Il a donné tout ce qu'il avait pour ça. Et là, tu le ressuscites. Tu remets en fait suffisamment de malpierre en lui pour ranimer son âme. Il revient. Oh, brave sujet. Tu seras récompensé. On va te donner une nouvelle prière dans l'épisode qui suivra. Mais bon. Choisis deux personnes qui recevront plus de mon don. Choix cornélien, qui sait que je corromps encore plus en fait. Genre comme il dit ça en espérant que tu sois lui. Non, pas du tout. Ah, t'espères pas? Mais ouais, ce qui fait que je vais leur poser la question, mes chers amis. Je pense pas que t'as le temps de poser la question. Regarde, t'as ton dieu qui est en train de te parler, t'es pas en train de taper la tchatche. Et en plus, je vais peut-être mettre un sablier histoire que tu comprennes, genre quand est-ce que ça va s'effondrer, tu vois. Oui, mais ça me sert à rien. Ouais, parfait. Dépêche-toi. Mais c'est magnifique, c'est parfait. Voilà. Ça m'aide tellement, c'est super. C'est exactement ce qu'il faut pour juste me bloquer dans l'instant et m'empêcher de choisir de faire une description, de faire un choix. C'est parfait. T'as 1 minute 30, voire même peut-être plus. Ok. Merci de votre patience, le live, pendant que je réfléchis. Pendant qu'il réfléchit, on va faire le troisième vote du live, s'il vous plaît. Comme ça, ça les occupe aussi. Donc oui, la bâtisse est en train de s'effondrer. Très sérieusement, parce que le démon d'acier est en train de passer à côté de vous. Et mettra peut-être un coup, pour être gentil. Vous avez récupéré vos affaires, mais vous n'avez pas non plus trouvé la hache. Oui, on a tous retrouvé nos objets. Ouais. Toi inclus, hein, tu peux retrouver des chouettes perles. Dans ce qui reste, est-ce qu'il y a des casques taille-là ? Des armures taille-là ? Ouais. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner sur Elise ? Non. Ça sera beaucoup trop lourd. Ça pèse plus que son poids. Casque-counette. Ça pèse plus que son poids juste au casque. Il n'y a pas une cote de maille en mithril ? Tu cherches une... Alors le mithril, ça n'existe pas, c'est le grand mithril dans cet univers, si jamais. Mais non, il n'y en a pas. Ça aurait été bien. Les objets qui valent très très cher ne sont pas ici. Du coup, je vais quand même prendre une petite dague qui était là et la passer à Elise et dire « Si jamais, prends ça. J'espère que tu n'as pas à devoir l'utiliser. » Alors si jamais le live vote dans le vote majeur, le dernier vote, fortement en notre faveur. C'est cool ça. Merci le live. Oh, et
quand j'ai fait le sort de la taxe des morts, elle était à côté de moi, si jamais. Ouais, donc, t'inquiète pas, ouais, ouais, elle apprend. Elle éponge, hein. Ouais. Elle éponge. Bon. Tu veux un des quatre? T'as encore plein de temps. Ah, mais quelle bonne idée, il y en a trois, là. Tu sais, tu peux t'inclure hein, dans les sujets. Oui. Ouais, mais mes amis avant moi, non? Bah, ça dépend, c'est-à-dire que tu veux revoir ta famille? Ouais, j'avoue. Hey, c'est... Okay, j'ai un D3, j'ai un D4, on va partir sur le D4. 1, 2, 3, 4. Non mais, tu me fais pitié. Je vais donner un deuxième conseil. Quoi? Jusqu'à maintenant, quand t'as mis de la pierre dans le livre, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus. Ah si. Je peux le dire si tu veux. J'ai reçu des objets? Non. Il a redonné des points de destin. Il a donné des points de destin. Ouais, ok. Du coup? Qui c'est qui en a le moins? Bon, moi j'en ai qu'un, mais sinon les autres. T'en as pas que un, si? Si, j'ai plus qu'un point de destin. Ah, je suis à ma derrière. On est trois à avoir plus qu'un point. Vous êtes trois à avoir plus qu'un point de descente. Voilà. Pili, pili, un, pili. Deux. Oui, mais du coup, ça va. Du coup, tu sais à peu près vers qui il faudrait donner le c'est nom. C'est vous deux qui mourrez le plus souvent. Ouais. Pas non, mais Tommy. C'est Raggy et Tommy qui meurent le plus souvent. Ouais. Et toi aussi, dis complètement. Bah, toi, les derniers épisodes, c'est toi qui meurs le plus souvent. Donc, Mais au moins, tu sais que c'est pas Erfried ou Wayla. Tu peux en donner un Alice si tu veux. Tu peux donner un Alice. J'ai choisi. Je t'écoute. Ragid et Tomaseo. Tommy. Vous sentez, alors que. Donc, toi, t'es en train de cracher sur le cadavre d'une ancienne. J'espère bien que c'est les points de destin. Tu fouilles un petit peu. La corruption. Tu sens une sorte de brume verdâtre t'envelopper. Peut-être tu regardes un peu en tout. Ragid. Tu as besoin d'un petit coup de pouce, voilà qui va t'aider. Tu sens soudainement que ça te prend dans les tripes, ça s'infiltre en toi, dans tes veines, tu trembles, tu ressens de nouveau cet élan de puissance. Ton destin est imprévisible et si fort à la fois, rien ne t'arrêtera. Tu prends deux points de destin. Tommy, c'est la même chose. Toi, tu essaies de fuir un peu cette brume qui te rattrape et tout. Tommy. Tiens, moi, j'ai pas signé pour ça. Hein. Tu es un si bon vendeur. Tu seras le meilleur marchand. Tu vas me racheter la pierre. La même pierre du monde. Tu prends deux points de destin. C'est pas très agréable. Tu veux une petite laine, Tommy, t'as l'air d'avoir froid. Kruger, dire que j'aurais pu remonter à 5, moi. Les autres, vous prenez tous un point de destin. Ouh, hey, nice. Elle était énorme, la malpierre que vous avez trouvée. Et puis, vous vous souvenez, il y a eu un petit deal avec votre dieu noir, etc. Voilà. Ouais. Récompensé. Ragid, tu sens qu'instinctivement, tu as mis des flèches toute ta vie dans la tête de tes adversaires. Mm-hmm. Tu peux mettre plus 5 à ta capacité de tir. Tommy, est-ce que tu as une langue de vipère? Tu sais pas. Une chose est sûre, par contre, t'es stylé avec les mots, tu prends plus 5 dans tes capacités sociales. Voilà, c'est le bonus du dieu noir. Maintenant, vous me faites tous un jet d'athlétisme pour éviter les pierres qui vous tombent dessus. Poupée. Ah, putain. Et on retire des points de destin. Non. Un point de chance. Est-ce qu'Elise se prend un caillou? Un point de chance, c'est difficile, c'est comment? Elise prend pas ce. Oh, yes! Nice! Plus 2! Plus 1. Plus 2, plus 1. Critique? Échec critique? Oui. Bon. Plus 2. Ce qui est logique. Plus 2. C'est fait 66. Si je change mon sens, ça peut le faire encore. Je peux pas avancer. Non, c'est bon, ça fait pas. Oui. Non, mais t'as été tellement obnubilé par ma Tu volume. Te prends une énorme caillasse dans la tête. Alors, les autres, vous perdez juste quelques PV. Okay. Ah bon? Vous perdez 5 PV auxquels vous pouvez retirer votre point d'endurance quand vous êtes raté. Malus, si vous avez fait un échec de 3, c'est 3 PV en plus. Ah, plus 2, okay. Et plus par contre. Plus 2, vous vous en sortez large. Par contre. Ah, plus 2, ok, c'est bon. Voilà. Okay. Et puis, celui qui a fait un échec critique, bah, il se prend un caillou dans la tête. Donc, il se prend un très grand coup dans le crâne qui lui donne 2 conditions de saignement et 1 condition d'aveuglé. Et. Elle ne peut pas être retirée du moment que il n'arrête pas de saigner. En gros, il est en train de pisser le sang sur ses yeux, donc il ne voit plus rien. J'ai mal.
Nous, on s'en est tous sortis, et lui, c'est un peu la merde. Lui, c'est un peu la merde. Alors, ça a tremblé, c'est tombé, vous êtes toujours dedans. Vous choisissez toujours ce que vous voulez faire. Est-ce que je le récupère? On se barre. On part, ouais. On le récupère. Parce qu'il va pas continuer. Tu peux le ramasser, mais il pisse le sang. Si vous le bandez pas, il a 2 chances sur 10 de mourir. Est-ce qu'on peut au moins le sortir de l'autre pièce? Oui. Sortir de la pièce. Ouais, je regarde s'il y a une étoffe, parce qu'eux ils le sortent. Moi je regarde s'il y a une étoffe pour lui. Il faut un truc autour de la tête. Fais-moi un jet de perception. Du coup, qui coupe? Je sais pas, moi je me suis pris un kill. Non, vous l'avez pas pris. On l'a pas trouvé. C'est foiré. C'est foiré. Mais du coup, je le tire dans l'autre pièce. Non, c'est foiré. C'est foiré, ok. Tu vous le tirez vite dans l'autre pièce. La caillasse se calme. Elle est tombée. Vous êtes nettement blessé. Vite. Sois bien. Kruger, tu peux soigner, là c'est bon. Oui. Allez, Kruger. Mais prière de soin, qu'on soit bien d'accord. Ah, hein. De prière de soin, retirer une condition, on avait dit. Hein. Ouais, ouais, vas-y. Ça, parce que c'est une condition blessée, en fait. C'est ça son problème. Ouais. Ah, parce que sinon, tu peux aussi juste faire un soin de. Donner des PV, soit enlever des conditions. Ouais. Ah, ok. D'accord, ok. Non, du tout. On va utiliser ce deuxième point de chance, hein. Ça me rappelle quelque chose. Non, t'inquiète pas. Non, mais fais-moi un jet sur un des 10, s'il te plaît. Un échec automatique, c'est... je peux pas relancer un dé de chance, ou bien? Si, un échec automatique, je l'autorise. C'est l'échec critique que j'autorise pas. Ok. Voilà, donc si tu veux... C'est critique et c'est 100, tu peux pas... Non, ça va. C'est sans, ça fait... Fluide, c'est pas critique, c'est juste automatique. Attends, parce que s'il fait son point de chance... D'accord, il fait son point de chance. Oui, quand même. Parce que sinon, tu pisses, là, en fait... Tu peux essayer de soigner aussi. Oui. Bah, si c'est arrêté une blessure, je peux essayer de lui mettre un bandage sur la tête. T'as moins. Ah, oui. Elle fait ça exprès. Ça marche pas. Ah bah voilà. Bizarre. Et si ? Ok, plus 3. Ok. Tu arrêtes un premier saignement. Fais-moi deux. Je veux deux fois une réussite si tu veux. Ah bah attends, oui, oui. C'est sur prier donc. Tu peux choisir une autre cible. Ou augmenter le... Non, pas le soin. Non, hélas pas. Ouais. Ça aurait été bien, mais non. Cible, tu peux le faire plus loin, tu peux... mais comme tu peux le toucher, ça... Mais refais-le. Tu peux soigner ma main? Tu peux le relancer. Ah ouais, j'avoue, ça marche. Ah oui, tu peux soigner sa main, ouais. Sachant qu'en plus, t'es proche de nous. Ouais. Oui. Parce que je dois te toucher. Ok, bon, bah alors, je vais soigner des deux. Ok, donc ta main n'est plus cramée. Tu n'as plus cette condition de pseudo-saignement, en fait. C'est vrai que j'aurais dû te mettre une condition de saignement, j'ai oublié de la mettre. Et lui, il y a une condition de saignement en moi. Ouais, mais il en reste une. Donc voilà. Il va me faire un jet, un des 10. S'il y a un 1, il meurt. C'est la condition de saignement. C'est un 10. Bon, bah c'est bon. Là, tu le reçois. C'est un peu le en fait, on te la vit la mort où tu essaies de le soigner, enfin d'arrêter le sang qui s'épanche. C'est pas ça, toi, chaque fois. Hein. Bon, on peut dire que c'était un 0 et c'était foutu. Ouais, aussi, justement. Oui, 33. 33, ok. Donc échec. C'est une critique. Ah, bah oui. C'est possible ça. Eh bien, il va bien, il voit même à nouveau. C'est bon, tu retires toutes ces conditions, c'est incroyable, tu deviens utile. Non, mais attention, mais je vais te remettre des manches plus dures. Hein. On n'a pas l'habitude de ça. Hein. Ouais, c'est bizarre. Moi non plus, c'est bizarre. Super, pendant ce temps, vous deux, qu'est-ce que vous faites? Le sol arrête. Enfin, les murs ont arrêté de trembler. Enfin, ça a arrêté de dégringoler. Ce qui devait tomber est tombé. Est-ce qu'on voit à l'extérieur la rébellion, tout ça? Vous voyez un petit peu, en effet, le fait que le démon de feu est en train de cracher de la lave sur des gens. Ouais. Mais globalement, il faut encore qu'on trouve sa putain d'arme à l'autre. Là. Le démon de feu, il est avec un camp particulier ou il démonte tout? Avec un camp particulier. Okay. Il y a toujours la bouffe. Il y a toujours de la bouffe. Ok, je dis à Alice de ramasser le plus de nourriture possible. Et moi, je regarde autour s'il n'y a pas un vent de magie qui pourrait nous aider à trouver son arme. Ok, vas-y, tu regardes un petit peu autour. Si j'ai de perception... Tu fermes, ok. Moi je regarde, je sais pas quoi faire pour trouver Star, moi je sais pas où aller. Hein. T'as fait combien? J'ai fait moins 3. Moins 3? T'as pas de jet de rien? J'ai moins 3. Perception. T'as pas chance? Je peux faire un point de chance, mais c'est le dernier quoi. Ouais, bon, on arrive en fin d'aventure, c'est bon. Okay. Enfin, fin de scénario. Oui. Ouais. Là, ça fait rien. Alors. Non, moins 2. Bon. Je peux essayer de voir si je vois quelque chose, mais... Mais on est dans la salle du banquet, là, en fait. Vous êtes là dans la salle du banquet, mais je partais du principe que vous voyez un peu... Faut savoir que le mur s'est passablement effondré aussi, donc... Ah, bon bah, je vais bien regarder aussi, du coup, oui. Fouiller un coup. Je regarde si je vois quelque chose. Faites-moi un jet de perception. Allons-y. Tous? Non, toi t'es occupé avec Tommy. Oui, plus 2.
Ragid, non, en fait, parce que toi, t'es en train de te faire soigner par lui. Ah oui. Juste un peu croque. Je vais te donner une petite info. Je te laisse l'interpréter comme tu veux. C'est parti. Il a dit, trouve-moi mon qui coupe. Voilà. Un truc qui coupe. Un truc qui coupe. Voilà. Il y avait des trucs magiques dans cette pièce. Bon, il n'arrive pas à détecter vraiment qu'est-ce que c'est, mais il y a des piles d'armes et des trucs, en fait, sous la caillasse. Voilà. Mais quand j'avais observé les bandes de magie avant, à l'intérieur de la pièce... Il y a encore un truc magique là-dedans. Ah, mais j'avais demandé s'il y avait un truc qui canalise. Enfin... Ça canalise pas. Ouais. Ah, ok. Il y a un truc magique. Bon, du coup, il veut un truc qui coupe. C'est peut-être pas une hache, au final. Peut-être c'est plus subtil. On l'a pas vu. Du coup, bah, je commence à refouiller dans la pièce. Tu refouilles un petit peu. En mode, qu'est-ce qu'il y aurait ? Une dague ? Est-ce qu'il y a un truc qui ressort un peu ? Une arme qui ressort de l'ordinaire ? Bah, il y a des morceaux, des hampes, de haches, de marteaux, d'épées. Peut-être qu'il faut la forger, du coup. Puis il y a... Bon, bah, toi, t'as tout raté, mais... Je vais te le donner, parce que tu ne vois... Tu peux pas ne pas voir ce genre de choses. Sur ta droite... À côté des fruits et légumes qu'Élise est en train de récolter en fait dans un foulard, il y a un balai. Il est chelou ce balai. C'est comme s'il était magique. Tu piges rien du tout à cette magie. Rien. Elle n'a aucun sens. C'est pas des vents de magie comme tu connais, c'est t'as jamais vu ça. Mais. Ah, si, t'as déjà vu ça une fois. Dans une pâte bleutée. Voilà. Une sorte de peinture bleue, t'as vu une fois une magie un peu similaire. Là, tu vois ça sur un énorme tronc de balai avec. Ben, du coup, je m'approche. T'approches. Je prends le tronc de balai. Qu'est-ce que tu prends là ? Je saisis le balai. Que tu le saisis. Oui, là, c'est pas le moment de faire du ménage. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre avec ce balai, tu vois rien toi ? Puis je le prends comme ça, puis j'approche de Hurtfried. C'est un balai ? Tu lui le donnes ? Je le donne à Alfred. Tu le prends. À ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, le balai est censé être beaucoup plus lourd que ce qu'il est censé que là. C'est comme s'il était ultra léger. Je fais un petit moulinet comme ça. Tu fais un petit moulinet, c'est tellement rapide. C'est un peu bizarre. Bon, par contre, c'est un balai. Hein. Est-ce que par hasard, le balai, la anse du balai, a l'air de pas appartenir au bout, en fait ? Non, ça a l'air d'être un balai. Juste magique. Il est magique. Il est magique. Essaye voir de taper sur cette courge là. Il y a une courge. Ok. Tu fais du mal au poil du balai qui se casse un petit peu. Le bâton, cela dit, est solide comme un roc. Est-ce que je peux du coup enlever les poils du balai ? Tu peux enlever les poils du balai. J'enlève les poils du balai. Il reste du coup le bâton. Ouais. Puis du coup. T'as un bâton. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Tu as essayé de taper la souris avec ? Est-ce que il est toujours magique là ou les poils ? Ouais, non, il est toujours magique. C'est le bâton qui est... Est-ce qu'on peut mettre genre une tête de une tête d'arme sur ce bâton, okay. Bah, tu prends la première tête de hache, une hache double, ça t'arrive, tu la poses dessus. Ça tient, c'est sympa. Ouais, ça a l'air de tenir, ouais. On peut faire un essai. T'essayes, alors tu coinces quand même le truc, tu mets un petit bâton entre deux, tu sais. Ouais. Tu prends le truc, et ça tombe, mais tellement naturellement, tu sais, ça fend presque le sol. Peut-être que c'est ça alors. C'est peut-être ça. Bon, on prend ça. Bah attends, il y a pas peut-être une tête d'arme qui est un peu plus spéciale. Oui là, avec ta magie, tout ça. Je peux essayer de refaire un jeu de perception. Regarde, pas bah, y a tête d'arme plus stylée quoi, nanique, mais bah non, enfin c'est une hache quoi, c'est un truc qui coupe là. Voilà, ça coupe. Hein. Voilà. Bon ben, bah, je sais pas. Franchement, autant essayer avec ça quoi, parce que c'est pas vraiment qu'on cherche. Je veux dire, si on dit à Grimgor qu'on lui a déniché un balai, voilà quoi. C'est pas un balai, là, il y a peut-être deux haches. C'est son qui coupe. C'est son qui coupe. C'est un qui coupe super léger. C'est son qui coupe super léger. Mais c'est un qui coupe. Ok. Soit. Ok. Tu te balades avec cette bonne grosse hache qui est ultra, ultra légère. Il se balade où ? Genre il sort de la hache. Non, vous ressortez. Enfin, à moi, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans cette salle, c'est vrai que. Bah, je pense qu'on a fait le tour là. Ouais.
Vous regardez dans la ville, ça pue quand même. Hein. Bientôt, la rébellion ne ressemblera plus à rien. Ouais. Surtout que, en fait, là, il n'y a plus vraiment de rébellion. Il y a des gobelins qui foutent le camp, en fait, quand il y a des crachats de lave d'un démon en métal qui leur court après. Faut qu'on aille trouver Grimgor. Ouais, faut aller retrouver Grimgor à l'usine. Est-ce qu'on a quelque chose dans le coin qu'on pourrait balancer de... Les gobelins parlaient de potions, il y a des bombes quelque part. Oui, il y a les potions. Mais c'est pas dans les bâtiments autour de vous. Mmh. Vous pourriez faire un détour si vous voulez. On n'a pas vraiment que ça à faire. C'est juste pour. Mais là, vous manquez de temps. On n'a pas le temps. Je vous aurais dit oui si vous aviez été plus rapide. Mais on n'en a pas. Allez hop, on fonce. Il nous faudrait de l'acide pour pouvoir faire fondre le truc. Non, mais là, on y va, c'est bon. Grimgor, il va en faire qu'une bouchée de ces trucs. Faites-moi tous un jet d'esquive. Vous descendez les escaliers, vous cavalez. Jusqu'à ce qu'on entend du pouf. Vous levez les yeux. Oh, une belle boule de lave. -2. -4. Ouh. +1. Je peux prendre un plus. Oui. -1. Y'a que moi qui arrive. -5. Oh. Donc vous prenez. Exigeant le coup de lave. Ben, vous esquivez la énorme boule en vous jetant les escaliers. Ça va pas mieux se passer. Et les projections qui vous rattrapent, en fait, derrière. Donc, vous prenez 6 points de brûlure, plus votre échec, auquel vous retirez votre endurance, puis vous brûlez. Mais pas bon. Sauf ceux qui ont raté. Sauf ceux qui ont réussi, évidemment. C'est -0. Ceux qui brûlent, ça a été. Vous faites 1 des 10 de dégâts en plus, et je vous relaisse faire un jet d'athlétisme ou quelque chose pour essayer d'éteindre les flammes. 1 des 10 de dégâts que tu prends ou tu brûles. Ah merde, putain. Avec un minimum de 1 dégât. Et un jet d'athlétisme, je pense que je pourrais... Tommy, tu roules. Rouler, c'est moyen. C'est plus facile. Ah, mais on peut encore enlever les dégâts... Vous pouvez en retirer... Non, pas sur les dégâts de brûlure. C'est direct au PV, normalement. Si je me souviens bien. Tommy, corrige-moi si je me trompe, mais on est d'accord que les dégâts de brûlure, c'est direct. Hein. Si tu retires pas ton bonus d'endurance. Tu flambes, tu flambes. Ouais. Ok, cool. Roulez. Vous essayez d'éteindre les flammes. Il y en a un qui a une côte pétée, l'autre qui est en train de cracher du sang. Je peux tapoter quelqu'un pour les flammes. Récite automatique. Tu tapotes, il y a Elise qui tapote sur toi et tout, qui éteint rapidement le feu, c'est bon. +0. +0. Rouler, c'est quoi? C'est athlétisme. Kruger, il a 3 points de vie, 1 point de destin. Je suis à 1 point de vie. Non, 2 points de destin. Je t'ai donné 1 point de destin. Oui, tout le monde a pris 1 point de destin. J'avais oublié. Non, alors, oui, ok, ça va. Ça va. J'ai fait moins d'heures. Je roule. Du coup, je continue de brûler. Tu reprends un jeu d'un des 10. T'as cramé? Tu peux enlever l'endurance, c'est ça? Maintenant que je brûle plus, je cours vers Kruger. Ok, j'essaie de taper au même temps. Ok, tu tapotes, je te donne un bonus de 10 encore. Alors, c'est un plus 1. C'est bon, ça s'éteint. Par contre, Ragged, elle est là, c'est son bras, il flambe tellement bien, c'est incroyable. Incroyable. Oui, je brûle plus. Ok, elle tape, putain. Je la vois applaudir là. Putain, mais Ragged. Venez pas m'aider, bande de débiles. C'est bon, vous avez éteint les flammes quand soudainement. Putain, vous vous cachez derrière un mur, ça explose le mur. Il y a des débris qui volent dans tous les sens, je suis gentil, je retire pas de PV. Ça part dans tous les sens. Le truc, il est clairement en train de vous suivre. Ça crache vers vous, il a décidé que vous allez disparaître. Bon, alors du coup, objectif. Si je passe la tête, je vois le tireur. Ouais, tu vois le tireur, une gueule d'acier d'à peu près 1 mètre et demi de large, qui te regarde avec des yeux enflammés et qui a décidé qu'elle allait trinuter. Je pensais que c'était le sorcier. Objectif, non. Objectif, vous voyez Jurassic Park quand elle court avec des talons, il y a le T-Rex derrière. Objectif usine, quoi. Voilà. Vous courez jusqu'à l'usine et là vous entendez des hurlements plus forts que les vôtres. Attends, qui sont à perte d'haleine en mode je vais mourir. Vous avez... Il y a un nain qui vole sur vous. Je sais pas qui est qui est devant. Moi. Tu es toi. Tu prends un nain, fais-moi un jet d'athlétisme, tu l'attrapes. Tu te prends un nain. Réussite critique, t'attrapes le nain et tu tournes avec lui, tu le poses gentiment. Putain. Il a la barbe complètement roussie, il est inconscient. Tu vois un autre nain qui vole hors de la bâtisse, qui veut et qui s'écrase un peu sur le toit. Enfin, la ruine du toit, si tu veux. Vous entrez, il y a un Grimgor déchaîné. Alors, attendez,
Le live c'est moi qui avais voté. Ouais, c'est toi. C'est moi ? Ouais, d'accord. Et du coup, je peux lui passer la hache. Ah ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde de lui donner la hache là maintenant. Pour le moment, je garde la hache. D'accord. Super. Ah, il se lève, il explose les attaches. Vous croisez Grimgor boîte en fer. Une armure resplendissante de métal un peu sombre sur lui, tout sur sauf sa tête. Ça sent le cramer, ça fume de lui, mais elle a été pliée sur son corps, scellée sur lui. Il bouge, vous sentez que dans ses mouvements, en fait, il est en train de créer de l'espace pendant que les plaques sont encore chaudes pour qu'elles se mettent convenablement afin qu'il puisse mieux se mouvoir. Et il fait voler les nains. « Je vais tous les tuer !» Et alors là, j'ai pris une petite image d'un speech que j'ai envie de faire. Ça va être difficile à faire, hein. M'en voulez pas, c'est chaud. Mais on essaye. Où est-ce qu'elle est ? Là. Je vais en faire de la purée, je vais craser leurs os, je vais en faire de la poussière, je vais cramer leur cité. Je ferai un gros tas, j'imiterai de l'eau et je les ferai tous rôtir. Je vais leur péter le nez, leur cramer la tête et piétiner tous les petits bouts qui restent. Et après, je viendrai vraiment méchant. Ah. Ok, bon. On laisse la hache à l'entrée et on part. La haine de Grimgor se déchaîne autour de lui comme une sorte de tempête. Vous voyez ce truc. Vous voulez toujours que je toi, mon qui coupe. Du coup, j'ai une fraction de seconde où je me tourne vers vous. Qu'est-ce que je fais? Je les balance, je les lance. C'est bon? En mode. Ah, on a pas ton choix. Vas-y. Ok, du coup, je fais. Tiens, Grimgor! Tu jettes, il attrape. Oh. D'accord. Ça coupe bien, c'est moi qui coupe. Ça va cogner dur. Et il avance vers vous. Vous vous écartez très rapidement du chemin. Il explose la porte en passant. Il est vraiment la porte. Les pierres en fait cèdent. Je vous savais pas ce qu'ils ont mis sur cette armure, mais bon, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre des pièces enchantées. Et il part tout droit vers le démon d'acier. Ben voilà. Nice. Il se retourne juste une seconde et il dit. Fuyez, parce qu'après, c'est ma cité. Et il repart. Je crois qu'on va faire ça, hein. J'ai pas forcément fait pour ça. Voilà. Est-ce qu'il reste des nains ? Oui, il reste une bonne quinzaine de nains autour, qui relèvent leurs camarades et tout. Ils sont exténués de ce qu'ils viennent de faire. Oui, nous connaissons un passage. Venez avec nous, alors. Oui, nous suivrons... Nous survivrons les élus. Malal Jesus. Ah oui, il s'est sacrifié pour moi. C'est bon, ça m'a converti. Voilà. C'est incroyable comme action. Vous avancez tous ensemble. Voilà. Vous allez fuir cette cité. Yes. Je vais me faire un dernier jet d'esquive pour savoir s'il y a une petite boule de feu qui arrive dans votre côté ou pas. Très facile pour esquiver. Oh, yes, échec critique automatique. Aïe, c'est bon. Non. À moins que quelqu'un sacrifie. T'as plus de points de chance alors. Mais je peux pas. Quoi ? Échec critique automatique. Parce que c'est très facile. C'est une réussite critique. Ah, plus zéro. Ça compense. T'as fait combien ? 8 en 8. Quoi ? Ok, je vais être gentil, je vais compenser ça. Réussite automatique. Ok. Ah, bon, c'est bon, là. La boule de feu énorme commence à être préparée par le démon d'acier quand soudain vous entendez clonk, vous voyez sa patte qui vole, mais pas coupée, elle a juste pris un énorme impact et la créature se retrouve à moitié étalée en fait. Il y a quelque chose qui est en train de la frapper à la patte, vous voyez pas, hein, il y a des gros morceaux de rocher, elle dépasse un petit peu d'un surplomb, mais il y a quelque chose qui est en train de s'attaquer à ce machin. Et du coup quand elle crache un peu de côté. Ragged, elle a fait une roulade sur la droite en pensant que elle allait esquiver, mais elle a roulé dans le sens où la gueule d'acier a tourné à cause du coup. Donc ça partait vers elle. C'est in extremis que Kruger lui attrape le bras et la tire en arrière avant que la gerbe de lave lui tombe dessus. Mais t'as énorme, ça va aller. Vite. Et là, vous vous enfoncez dans les tréfonds de Karakungor pour ressortir une heure plus tard dans le froid
et dans la vie. Ouais, vous êtes sortis, mesdames et messieurs, de Karakungor. Ouais, vous êtes en vie. Oui. Alors, Karakungor, on va savoir, pas savoir comment ça se finit, ouais, mais libéré. Vous êtes sortis libéré. Avec une quinzaine de nains. Vous êtes pas à poil, mais eux, si. Ouais. Vous manquez de nourriture. On a tout. De la nourriture pour nous, mais pas pour t'as eux. Pris de la nourriture, t'as pris de la nourriture. Bon, alors, Élise pour 15, a récupéré plein de trucs. Après, les nains, ils sont résistants, comme ouais, on a dit, niveau, en termes de bouffe. Ils, ont, ils pouvaient ouais, c'est ça, ouais. Ils peuvent bouffer des cailloux, ils sucer des cailloux jusqu'à un chemin, c'est... De toute façon, le premier troupeau qu'on voit va se faire juste dépecer. Concrètement, est-ce que du coup ces nains, c'est un peu devenu ces cultistes ? C'est fanatique. Alors, on va finir ça comme dernière scène, c'est-à-dire que une fois que vous allez établir un campement le soir même, je vous reprends, il se fait enfin plus ou moins calme. Vous respirez, certains sont peut-être très amochés et ont besoin de repos. D'autres ne supportent pas le froid et sont portés par quelqu'un d'autre. Je pense que je porte Élise, j'ai compris. Voilà. Il va me falloir me porter moi aussi. Mes amis, merci de nous avoir suivis, vous serez récompensés. Nous avons froid, Kruger. Nous avons faim. Mais sur nous tous, nous avons soif de vengeance. T'entends une voix en toi. Oui. Enfin. Lis-les au livre. Je sors le bouquin. Tu sors le livre. Est-ce qu'il il le voit ? Il ne le voit pas. Non. Pas encore. Mais dedans, il y a des paroles. Nice. À toi de faire un joli speech. Pardon, mais bon. Tu veux qu'on te donne 5 minutes ? Non, mais 30 secondes. Ok. Ah bah... Ouais, si je peux réfléchir pendant que les autres... Ok, les autres, vous êtes affamés. Il fait froid. Il y a d'autres nains à côté qui grelottent, mais eux, ils sont à poil. Donc voilà, vous allez faire un peu les durs et encaisser tout ça. Vous êtes au sommet de Karakundor et je rappelle, c'est l'hiver. Ça n'a pas terminé. Non, d'ailleurs, à part de la neige, tu vois pas grand-chose. Globalement, si tu me dis qu'on a posé le camp, c'est qu'on n'est pas complètement bête, on l'a posé à un endroit à peu près à l'abri ou bien ? Je pense que vous avez posé, en effet, dans une forêt dans laquelle vous avez creusé un peu la neige, vous avez fait une sorte d'igloo peut-être. On a fait quelque chose. Hein. Vous avez essayé de... En tout cas, les nains ont l'air d'être plus des merdes que vous dans leur montagne. Certainement. Du coup, on a quand même un feu, on a quand même quelque chose. Mais voilà, ils montent, vous allez allumer un feu, ça, ne serait-ce que par magie, tu aides à faire des étincelles. Cela dit, vous allez avoir froid, donc ils vont ramasser, enfin, vous allez dépiauter certains de vos habits. Ils vont choper des branches, en fait, de sapin, de pin. Ils vont essayer de se faire une sorte de costume transitoire, juste pour les pieds et le torse, histoire de tenir le temps qu'il faudra. De plus, il faudra partager un peu votre chaleur corporelle avec ces nains. Vous n'aurez pas le choix. Vous allez vous faire, en effet, très copain avec le clan des Bronze Barbes. Je leur coupe pas la barbe, s'il te plaît. Ben là, c'est bon, c'est des copains. Ouais, là, c'est des copains. Pour l'instant. Bon, les derniers aussi, c'était des copains, sauf qu'ils ont voulu attaquer mon copain. C'est vrai. On se barre. Cool. Moi, je vais profiter du moment où on essaie de se réchauffer et tout ça. Je vais essayer de communiquer avec Dieter. Ok. Et je vais lui dire les mots que tu as. Tu vas lui dire les mots, il va te dire. Es-tu sûr ? Est-ce que tu sais Tu manipules bien des magies noires. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est une magie imbibée par le démon Ashut. Elle permet de manipuler les flammes avec une ardeur qui est inégalée. Ça prendrait quoi de la faire ? Je te donnerai les stats une autre fois. Je vais pas la prononcer, je veux savoir. Lui dit : Je pense que la corruption se répandra en toi si tu manipules ces mots. Attention ! Arrête pas de me dire en pied. Alors que tu discutes avec Dieter, soudainement tu te fais rappeler à toi par Élise qui te tire et qui te fait Dis, pourquoi que la dame elle nous regardait partir depuis le sommet de Karakungor ?
Elle avait l'air triste. Ah non. Oh. Putain. Ouais. Moi, je comprends toujours pas ça. Je demande quand même à Ragged comment elle va aussi. Je crois que c'est le goût de le sang de Hachout lui est passé, tu sais. Ouais. Elle a cramé un peu. Un peu brûlé quand même. Ouais, un peu quand même. J'ai perdu la moitié de mes cheveux. Ouais. Déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup. Mais globalement, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que là, vu qu'on a vraiment vécu les enfers, je pense qu'on s'est rapproché. Tu t'es rapproché, d'accord. Ouais. Ça marche. Genre là, en gros, limite, on s'est regardé, puis à un moment, on s'est juste marré, mais de nervosité, je pense, avec tout ce qui s'est passé, en fait. Ouais. C'est assez abusé, hein. De toute votre vie, vous n'avez pas vécu des moments comme ça. Dans la saison 1, ça, vous viviez ça non-stop. Ouais. Mais là, c'était un autre niveau d'intensité. Vous avez vu des horreurs, des atrocités, mais ça, c'était un grade au-dessus. C'est ça. Donc justement, moi, je pense vraiment, il y a un moment où, en fait, Erfried s'est quand même installé, puis je pense qu'il regarde Ragged, puis c'est vraiment genre... T'es pas sûr s'il est en train de sangloter, en fait, il se marre, tu sais, juste en... Ouais. Il lâche un coup les nerfs, quand même. Ça va, Tammy? Tammy, t'as récupéré tous les objets qui étaient tiens? J'ai fait attention à tout récupérer, oui. Ça marche. C'est important, hein. C'est cool. C'est très important, hein. Tu prends un petit jet avant la fin de la partie. Alors, moi, j'ai un truc, mais du coup, je pense que j'ai pas pensé sur le moment. Mais globalement, est-ce que j'ai pu justement pu prendre un caillou de Karakungor en mode souvenir, genre trophée? Non, c'était mal. C'était pas bien, ouais. C'était pas bien. Sinon, je t'aurais laissé. Ok. Je t'écoute, Kruger. Les nains sont réunis autour de toi. Mais moi, j'étais gravé. Oui. Ah, cool, tu vois pas ça? Yes. Mes chers amis, mes chers disciples, merci de nous avoir aidés. Vous serez récompensés. Normalement, pas très loin d'ici se trouve le temple de mon dieu. Il serait magnifique que vous puissiez y prêter allégeance à cet endroit-là. Non, mais c'est trop loin encore. C'est trop loin, on a combien de temps encore? Vous n'êtes pas si loin que ça. Vous êtes arrivé. En gros, maintenant, vous allez repartir à l'ouest pour aller à Kislev. Kislev, ouais. Voilà. On a combien de temps de marche, à peu près? Quelques mois. Il faudrait 10 jours. Ok, alors non. On revient en arrière. Tu sais, t'es pas obligé de les amener à un temple, hein. Non, c'est juste que je trouvais ça beaucoup plus cool, en fait. Oui, je pense. Je trouvais ça juste beaucoup plus cool. J'ai pas besoin. Mais ce qui fait que, oui. Merci de nous avoir suivis. Bravo, vous avez fait le bon choix. Vous allez pouvoir accomplir votre vengeance. Mon Dieu va vous aider en cela. Mon Dieu, votre Dieu, bientôt. C'est un dieu qui va vous donner tellement de pouvoir, qui va vous demander beaucoup, mais qui vous permettra d'accomplir vos rêves les plus fous. Grâce à vous, grâce à lui, vous pourrez répandre le chaos par la destruction et la ruine. C'est pas ce qu'ils veulent. Non, mais la vengeance, oui. Oui, oui. Mais eux, ils veulent la vengeance contre le chaos. C'est aussi notre but. C'est aussi votre but. Il va s'en sortir. Kruger est atteint, qu'on soit bien d'accord. Le fait qu'il soit de base apeuré, un blocage mental, les derniers moments. Il y a son dieu qui regarde. Il essaye, hein! Il essaye, mais. Allez! Bon, on va y aller par quatre chemins. Vous voulez la vengeance? Mon Dieu peut vous la donner. Il suffit de prêter serment. S'approche. Quel est le nom de ce Dieu? Malal. Pouvons-nous le voir? Pas pour l'instant, mais vous pourrez. Une fois que vous prêtez allégeance, très clairement, vous le pourrez. Je prête allégeance. Mes ancêtres nous ont abandonnés. Mais Malal nous a sauvés. Je jure vengeance. Je détruirai le chaos. Par le chaos, s'il faut.
Et ainsi en sera-t-il de ma famille et de mes ancêtres. Il met sa main sur le livre et quand il dit ça, sa barbe devient noire comme de l'ébène. Sa peau blanchit. Ensemble, nous serons invincibles. Il n'y aura plus de chaos sur cette terre. Tour à tour, il commence, il prête à l'urgence. Un malade. Tour à tour, vous les voyez voir ce changement en fait instantané. C'est une quinzaine de nains, c'est ça? Une quinzaine de nains. Ouais. Ça se fait des puces sans alliés, ça que c'est cool quand même. Et ensuite, il te regarde. Nous ne sommes plus bronze barbes. Nous sommes les barbes maudites. Et tu vois que il va te tendre un livre. Livre que tu n'as jamais vu. Et pourtant, qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et pourtant, tu le feuilles. C'est un livre dans lequel c'est écrit « Les maudits ». Tu vois la première page, tu vois plein de noms raturés que tu comprends pas. Hein ? Sérieux ? Sérieux ? Tu vois plein de noms que tu comprends pas. Tu tournes les pages, toujours tu comprends pas. Et pour finir, tu tombes sur le tien. Celui de Weyla. Celui de Ragid. Celui d'Erfri. Celui de Tommy. Tu tombes plus loin les pages, y a personne entre deux. Puis pour finir, tu finis par tomber sur celui des barbes maudites, les uns après les autres. Tu vois leur nom inscrit en rouge dans ce livre. En sang. Mais pas encore barré. Mais pas encore barré. T'as pas dû profiter pour voir les autres noms qui sont pas barrés. Ah, mais je vais avoir. C'est mon bouquin maintenant. Oui, c'est ton bouquin. Ah, ça va. Trop bien. Merci à vous, barbe maudite. Tel est le premier souhait de notre Dieu. À tous. Malal. Et quand il dit ça, le monde autour de vous devient un peu plus noir. Cette présence devient un peu plus présente. Son regard d'émeraude vous scrute. Il est là. Avec nous. Avec vous. Plus vous êtes à le prier, plus il arrive à sortir de ce livre. Oh Malal, guide les pas de tes nouveaux disciples. Je leur donnerai des ordres. Et puis, ça redevient blanc. Ô prêtre, il est temps que tu avances. Ils ont leur mission. Merci, ô mon Dieu. Vous allez repartir dans cette neige. Les barbes maudites resteront sur le coin. C'est ici que nos chemins sont de part. Vous savez ce que vous devez faire. Tout à fait. Que Malal soit avec vous. Ça me fait penser à que la force soit avec vous. Ah, c'était pas voulu. C'était pas voulu. Avant qu'on parle. Que tu propages la ruine. Que Malal guide vos pas. Vous allez vous séparer. Et vous allez marcher. Et parce que vous allez marcher, avant de finir cet épisode, fais-moi un petit jet de résistance à la corruption. Oui, là, tu voulais faire un truc. Ouais, avant qu'on parte, dis-moi. Je regarde encore une dernière fois en direction de Karakoum. Oh, tu vas remarquer quelque chose caché. Ça marche. Tu résistes. Ah, putain. Malgré le fait que t'as moins 1 parce que... Oh, mais il veut pas muter, c'est pas possible. Ah, attends, tu m'auras pas. Non seulement tu me fais un jet pour savoir si tu mutes, mais derrière, tu me fais un jet pour résister au point de corruption qui vient avec. D'accord, j'ai fini. Attention. Mais ça, c'était pour... Ça, c'était pour muter, ouais. C'est bon, t'as résisté à la mutation. Ou c'était le point de corruption? C'était le point de corruption. Du coup, comme je le reçois pas, je ne peux pas muter. Oui. Ah, il a raison. Il a brain le MJ. Il a brain le MJ. Quoi? Il a raison. Cherche pas. Je ne sais pas. À chaque fois, ils font un point de corruption. Chaque fois que tu prends un point de corruption, si t'es au-delà de ton seuil, tu dois résister à la mutation. Mais tout ça pour dire qu'il a réussi. Il a réussi. Il a pas de point de corruption. Du coup, il a pas pris de point de corruption, mais il est toujours 8 sur 7. C'est ça. On en parle. Pas tous. Vous allez descendre pendant de longues semaines. T'inquiète pas, je te ferai faire un jet au début de la prochaine partie, parce que tu marches un moment là. Oui. Vous descendez dans cette neige. Vous consommez vos aliments. Vous chassez extrêmement bien, soudainement. Vous voulez voir les vents? Ouais, j'avais regardé. Ah oui, ça va. Pour les vents, désolé. Ouais.
Et puis, oui, là, tu auras cette réflexion par rapport à ce que tu as vu juste avant de partir. Les vents de magie implosaient, se déchaînaient, et puis soudainement, ils sont calmés à Karakungor. Peu de temps après, il y a eu une sorte de bruit comme une avalanche. Puis au loin, tu as vu ce qui semblerait être un gros bonhomme noir avancer en rang avec beaucoup de gros bonhommes un peu moins noirs derrière lui. Il partait vers le sud. Vers le sud. Ça vous arrange bien ? Carac. Catherine ? Catherine ? Perhaps. La 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 la. Oh. Après, plus au sud, il y a le Cirlande, non ? Mais concrètement, enfin... Non, alors ça, tu restes dans la chaîne des montagnes, plus au sud. Faut bifurquer un peu vers l'est. Concrètement, on s'en fout. Non, je crois qu'on a un peu condamné une race qui s'appelle les nains, mais à part ça, tu vois. Oui, mais on s'est fait enfin, des alliés. Bon, là, ils sont sortis, là, ils sont sortis une vingtaine. Ok. C'est ouais, rien. Quand même, grand... Grimgar. Boîte en fer. Ouais, tu penses qu'un des points là, c'était lui. Ouais. Ouais. Puis là, tu sais, t'as senti sa présence trop près pour savoir que ça peut pas être lui là-bas. Voilà. Mais bon, pas du tout. Voilà. Parfait. Et donc, vous descendez. Vous allez atteindre un relais, une auberge, là où la neige est devenue suffisamment souple et facile à marcher dedans. Vous allez vous poser. Enfin, une taverne. Merci, relais, d'exister. Prochaine étape, entrer dans le territoire dès qu'il se lève. Ouais. Vite. Et c'est là que vous entendez. Mais non. Et se lève un homme barbu. C'est marrant. Mais non. Avec une pipe. Mais non. Mais vous avez survécu. Ah, je savais que je vous retrouverais ici. C'est bien Marc Wilbolz que vous retrouvez en vie comment dans ce relais. Comment mais comment, mais pourquoi? Et bien la suite au prochain épisode. Oh, oh, bon accent. Tu n'as pas fait le bon accent. Il y a un accent russe. Oui. Mais non. Mais non. Oh, bah, je comment me suis cassé la voix, tu me pardonneras. Grimgor, c'est dur. Ah. Oui, je suis... Yes, oui, là. Enfin, tu lui fais une accolade. Vous faites une accolade, vous êtes content. Mais comment as-tu survécu? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Après, comment est-ce qu'on a survécu? Comment avez-vous survécu? Comment lui a survécu au vampire? Ouais. Quel est donc le nom qui reste non tracé dans le livre des maudits, excepté les nôtres? On a eu le temps de les lire, je pense. Ouais, aucun. Ils sont tous tracés à part avec un certain nom. Ils sont tous tracés. Ouais. Les autres, ils sont pas sur chaque. Ah non, non. Moi, je pense à un particulier. Ouais, un en particulier, ouais. Je ne sais pas ce qu'il en est, du coup. Non, mais justement, ils sont tous tracés. J'ai une explication pour lui aussi. Oui. Ah. Bah ouais. Oui, c'est logique qu'ils soient tracés aussi. C'est la légende, en fait. Oui. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Oui. Bah, il a été libéré. Oui, c'est vrai. C'est bien que vous avez compris, vous m'expliquerez. Mais tu sais de quel nom on parle? Oui, on sait. Non. Mais oui, si. Bah moi, je sais si tu sais. Je crois. Moustachu. Et c'est ainsi. Attendez. Voilà. Et c'est ainsi qu'on va clore cet épisode, voilà. Pas qu'il soit trop long non plus. Voilà, tout à fait. Pour le live, restez. On fait un débrief derrière. Pour YouTube, à la semaine prochaine. Profitez. Des bisous. On espère que ça vous a plu. Ciao, bonne. À la prochaine. Ciao.